Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui juste avant de faire la vidéo on fait des petites dédicaces comme tous les lundis. Si vous voulez une dédicace, votre nom, un petit truc personnel à côté en mode Léa de Lyon pour vous reconnaître tout simplement. Donc c'est parti. Et petite dédicace à Andrea et Molly, à Ntati, à Anaïs, à Eva, à Vanessa la Congolaise et à Alizé. On vous aime fort. Merci beaucoup de nous suivre. Et gros bisous à vous. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que nous ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci de me laisser parler. Ça fait Eva. Longtemps, on n'a pas fait. On est en Espagne. Elle a oublié. On est en Espagne dans un centre commercial et on va faire un à Barcelone, cash. Exactement. On est dans le centre commercial Diagonal Mar. Pour ceux qui veulent y aller. Et on va faire un cache-cache comme je vous l'ai dit, Eva, donc let's go. Donc c'est bon. Ils sont dans un magasin. Diana, elle a parlé, elle nous a cramé. Bravo Diana. Vu que c'est Diana qui s'est trouvée en première, c'est elle qui compte. Allez. Donc là on attend. Ça fait déjà 5 minutes hein, qu'elle est pas là. Donc elle est vraiment nulle. Moi, Diana c'est vraiment nulle. On fait chier. Regardez, Eva sa position c'est ça. Dès qu'on attend quelque part, peu importe où c'est, que ce soit devant des milliers de personnes ou devant personne, elle s'assoit comme ça pour attendre. Et l'autre fois je lui ai dit mais Eva t'es au courant que on est des êtres humains, ça veut dire que quand on attend, bah on attend debout, genre on attend pas, on attend vraiment comme ça. Et elle, elle attend comme ça. Bref. Il est vraiment pas mal ce centre commercial. Il y a quoi? Il y a Zara ici, ouais, il y a Zara. Il y a Kiabi devant moi. Il y a Auchan qui s'appelle Alcampo. Il y a tout. Il y a plein de restaurants en haut. En haut, c'est vraiment la ville des restaurants, genre. La quoi? La ville. La ville. L'endroit des restaurants. Il y a Subway, il y a McDo, il y a BK, il y a KFC, je crois, il y a tout ça. Il y a des pizzas, des pâtes, bref. Bon, les amis, là, ça fait 10 minutes qu'on attend. Donc là, ça commence à être un peu chiant. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Attendez, on vous montre. Elle comptait là-bas. Je crois qu'elle est plus là déjà, donc elle a dû partir, mais je sais pas où elle est. Bon, peut-être qu'elle est partie en haut, mais on lui avait bien dit qu'on restait en bas, donc elle est chiante. On est vraiment plus caché. On va aller voir. Je trouve elle est chiante, elle a pas bougé. Pépé, tel Jack. Nanana. C'est nous on la cherche. C'est quoi ça? Regarde celle-là, elle va nous faire une blague ça. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'elle est partie nous chercher. Elle est pas là. En fait, on commence. On va pas vous mentir qu'on commence à avoir un petit peu peur parce qu'elle est toute seule en fait. Ouais mais tranquille, c'est un sens de merci. Oui mais ça fait peur quand même. Oh putain, c'est du fromage. Can I taste it? On peut tester. Elle est où? C'est bizarre qu'on soit pas là. Ça commence à être chelou là. Et nous on continue de filmer en mode. Bah écoutez, on va filmer ce qui se passe. Hein. Bon là, on va chercher un petit peu. On va arrêter de filmer un petit peu parce que là ça commence à être chelou qu'elle soit vraiment pas là. Et. Oula.
Et en fait, il y avait notre mère avec nous et notre mère, elle est direct partie la chercher. C'est pour ça que là, du coup, on filme. Parce que ma mère, bah, elle a peur, enfin, elle a eu peur. Donc, elle est allée la chercher. Donc là, je vais appeler. Je vais l'appeler, je vais demander si elle l'a trouvée. Bah, d'ailleurs, je vais l'appeler. On va voir en direct si elle a trouvé ou pas. Allô? Ouais, du coup, c'est bon? T'es où là? En haut? Bah, nous, on est toujours en bas. Mais tranquille, si on a perdu Diana pour une vidéo, ma mère va vous tuer. Mais tranquille, je te dis. Oui, mais je vais la chercher là. Là, vous avez l'impression qu'on est blanc, mais vraiment pas. Mais oui, on va la trouver, la cocotte. Elle m'a dit qu'elle était en haut. Sinon, on cherche toujours en bas, sinon on cherche en bas. On va arrêter de filmer pendant quelques... Voilà, on va la chercher sérieusement après. On voilà, bisous. Bon les gars, là, ça fait plus de 30 minutes environ qu'on cherche Diana. Et on, la trouve toujours pas. Je bégaye carrément. Genre, je commence vraiment à avoir peur. J'ai la boule au ventre. Mais en fait, je sais qu'elle est là parce que je sais que Diana, elle est pas aussi bête genre de sortir du centre commercial et tout. Mais elle est pas sortie. Mais ça fait quand même peur, genre. Ma mère elle cherche en bas, en haut, ma mère elle fait que. Ma mère elle est là, elle va péter un câble. Eva, elle moi, regarde tout partout. Le temps à Diana. Elle c'est la perche, genre elle est comme ça. C'est un radar ses yeux. C'est un radar de Diana. J'ai pas envie de rigoler là. Non mais tranquille, on va la trouver. Allez, on part pas espoir. Diana pas espoir. Bah non, on va pas perdre espoir, hein, c'est dit. C'est pas un coup de pied qui essaye de chercher, hein. Je pense qu'on devrait demander aux gens, genre, est-ce que vous avez... Comment elle est habillée? Une petite jupette. Ah oui, jupe violette. Je pense que je vais commencer à demander aux gens. Non. Si. Non. Ah si, ça se trouve quelqu'un l'a vu. Les gars, j'en peux plus, vraiment j'en ai pleuré. Diana, ça fait... là ça va faire une heure, on fait que de la chercher avec Eva, on vient juste de se poser là. Et ma mère elle est au téléphone carrément avec mon père et tout. Mais en fait le problème c'est que le centre commercial est trop grand en fait. Mais là je sais plus quoi faire en fait. En fait on sait plus quoi faire, en fait, vraiment on sait plus quoi faire. Pareil à son accueil ici. Tu peux pas appeler pour qu'il y ait Diana et tout. Si 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 il doit y avoir. Non. Si il doit on y avoir. Chercher. Vas-y moi je vais aller voir ça. Hein. Si il doit y avoir l'accueil, viens on va demander à l'accueil. J'avoue, elle est pas bête, Eva, tu vas me donner une idée de ouf, là, en vrai, vas-y. Vraiment, là, les gars, je me sens pas bien du tout. Mon père, il est en panique à Paris. Il fait que de nous engueuler parce qu'il dit que, bah, c'est à cause de nous, parce que, bah, avec nos conneries de cache-cache et tout. Mais on pensait pas que ça allait venir comme ça, nous, enfin... Je sais pas si vous m'entendiez, bref, je vais pas recommencer parce que, franchement, j'ai pas envie de rigoler. J'ai même pas envie de filmer, mais... Vu qu'on a commencé la vidéo, on aurait terminé. Et j'ai envie qu'on vous donne. J'ai envie qu'on vous donne le mot de la fin, en gros, que bah, on l'a bien trouvé. En fait, faut pas faire des choses comme ça, les gars. Du coup, le vlog, on est même pas en train de le filmer là. Vu qu'on filme cette vidéo, bref, on pensait pas que ça allait se terminer comme ça. Mais regardez le monde qu'il y a en plus. Regardez le monde. Montre un moment où il y a personne. Bah, si. Bah, non. Si regardez le monde qu'il y a, donc c'est compliqué en fait de chercher. Bon vas-y, on ah, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir les gars, je vous jure, j'ai trop mal au ventre. Putain. En fait je sens qu'elle est là, mais en même temps. Ah mais c'est ça le l'accueil. Hi, I lost my sister and can you tell her name please? I will have microphone. Ah, you don't have microphone, okay. Okay, no problem, thank you. Okay.
profiter. Je viens de lui demander, bon, mon anglais il est pas ouf, mais je lui ai demandé d'appeler ma soeur parce qu'on l'a perdue. Elle a dit qu'elle avait pas de micro. Donc, je sais même pas si j'ai filmé ou pas, mais bref, voilà. Écoutez, là, je vais appeler ma mère pour avoir des nouvelles et on vous reprend. Du coup, là, on a appelé notre mère et elle nous a dit de descendre ou je sais pas quoi. En fait, il faut qu'on se calme tous parce que si on est stressé, on va pas réussir. Donc, écoutez, je pense que c'est pas le moment de filmer. Donc, on vous filmera si on la retrouve, mais normalement, on va pas la retrouver parce qu'on est à la. On est dans un centre commercial, donc normalement on la retrouvera, voilà, c'est sûr. Le problème c'est qu'on a notre vol, donc faut qu'on la retrouve avant. Sinon le vol ce sera raté et là ce sera la merde. C'est ça, donc voilà, on vous fait des bisous et à tout à l'heure. Là il y a plein les enfants et ma mère elle est là. Mais je vois pas Diana. Faut qu'on attend, on va voir s'il y a Diana. Moi je la vois pas. Hein. Je vois pas Diana. Elle est pas là. Oh! Là, 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 ah mais on peut faire le toboggan. Qui peut faire ça? Viens ici Diana. Viens. Non mais t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu faisais? Non, qu'est-ce que tu faisais là? Non mais maman elle manque. Mais qu'est-ce que lui là? Je crois pas. Non mais j'y crois pas. Tu t'es perdu? Mais est-ce que tu penses un peu? Non mais vraiment, maman elle était en train de pleurer, je te le dis franchement. Maman elle était en train de pleurer. Elle Diana, tu fais pas ça. Elle est en panique. Ça fait combien de temps qu'on te cherche? Non mais arrête de la fâcher non plus. Non mais attends. Voilà une teubée. Merci. Bon bah du coup on a gagné le cache-cache. Elle est inconsciente, elle se dit pas, ça fait une heure on te cherche ma vie. Voilà. J'ai des gosses, mais des fois j'ai envie de frapper. Pardon. Regardez, elle s'est trouvée une copine en plus. Elle est descendue? Ouais. Pas vu. Ah si, elle vient de descendre, on va pas la reperdre en chaîne. Sur ce les amis, on va aller voir notre mère. Cache-cache, vous le dis. On vous fait des bisous. Ah mais je mange trop bien. Heureusement, on l'a perdu. On l'a perdu mais on l'a retrouvé, d'accord? Bisous, faites attention à vos petits frères, à vos petites sœurs. À vous. C'est grave important. Il y a des gens mal intentionnés sur cette terre. Où elle va, elle? Voilà. Bisous. Hey guys. Today, le programme du jour, centre commercial. Ensuite on va monter dans un téléphérique et ensuite cette forêt. Voilà, on verra. La centre commerciale, on va voir si on va se comprendre. Thank you.
Eva. Donc là c'est le parc d'attractions qui s'appelle Tibidado. Attendez je regarde comment il s'appelle, comme ça si vous voulez y aller à Barcelone, vous y allez. Donc pour 4 personnes on a payé 140 euros. Maman, faut que tu m'aies payé un peu. Et ça s'appelle ouais Tibidabo. Le parc d'attractions Tibidabo à Barcelone. Donc premier manège,
C'est un truc de petit, mais on a déjà peur, ouais. C'est trop bien, en vrai. Allez. C'est bon, c'est fini, là. C'est chiant. C'est chiant, en fait. Bon là on va aller faire un manège, mais on n'avait pas vu, mais en fait ils mettent des lunettes 3D là, enfin non, comment ça s'appelle, t'as des images, tu vois des images. Mais non, elle raconte n'importe quoi, vous avez des lunettes, vous voyez quand vous allez dans les manèges de cinéma, que vous êtes dans des sièges et que ça bouge, bah c'est des lunettes comme ça, genre tu vois des trucs. C'est la réalité de Chen, ça aurait été classé à 21 PM. Je pense que c'est pour les gens qui ont peur des manèges et du coup bah qui font ça, qui mettent des lunettes et voilà, bah, qui kiffent comme ça quoi. Mais tout le monde n'a pas peur. Hein. Ah ouais, il y a la même banane désinfectée, mais qu'elle a des gamins. Ma mère elle stresse les amis. Dites-lui que c'est rien, s'il vous plaît. Parce que là, son cœur il bat, on dirait qu'elle va faire un truc de ouf. Elle va faire un train. Oui. Va là-bas. Attends. Les gars, c'était trop drôle. J'ai adoré, vraiment, c'était hilarant. Dana, elle a pas crié, mais moi et ma mère et Negin, oh là là, comment on criait, c'était hilarant.